Agence Adventiste Développement Sekou ADRA l'ouvre officiellement un bureau régional agence là dans ville Cap-Haïtien et installé un directeur dans bureau. Directrice pays ADRA, madame Myelène Jean-Pierre, expliquer décision ça pour permettre yo vinn plus proche population noire que nord-descend qui nan gros difficulté économique. C'est un objectif que nous devons fixer le nous monter dans tête ADRA. C'est pour nous capable de décentraliser l'activité qui était sous Port-au-Prince et le Grand Sud seulement. Nous venons étendre tentacules dans le nord pour capable permettre que la population région ça, le nord et le nord-est, puisse capable bénéficier de toute action humanitaire que ADRA a posée et que pour capable porter aussi soulagement et bien-être à la population défavorisée qui trouvait dans la région. Nous allons permettre que nous capable répondre à surtout sécurité alimentaire ça que Nord-Est a fait face là. Priorité nous là c'est mettre en place un programme de sécurité alimentaire pour répondre à besoin ça qui gagne dans la région. Directeur ADRA dans la région Nord, pasteur Robin Basile, dit qu'il y a un pile travail captain ni souterrain mais il compte sous support bureau central ADRA. Bien directeur de la ADRA, je pense que c'est vraiment une occasion, une opportunité que je gagne pour assister les gens que je considère qui plus vulnérables dans la société. C'est d'ailleurs ça, mission ADRA. Occuper des gens qui sont économiquement plus faibles, ceux qui ont plus besoin, ceux qui ont besoin plus urgent. Et puis, c'est ça qui est toujours pour moi un souci. Le fait que je viens directeur ADRA pour le moment, j'espérais que je vais avoir des moyens à disposition qui pourraient permettre de voler au secours de mon saïo, accompagner, aider dans le besoin. ADRA travaille en Haïti depuis 1975 pour porter secours à l'Adventiste dans le monde. Institution a trouvé dans 140 pays, Jira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique.